אני פה מתוקה שלי, הכל יהיה בסדר. אני אסע לבית חולים והכל יהיה בסדר, ואת תרגישי טוב יותר. אחר כך אנחנו לרנח את הילד שתרצי. את לא לבד, את איתי, יפה שלי. הכל טוב, אנחנו... תעלי, נוי! תעלו! אהל שבאב, סראי, אל-קודס אל-מדפרה. עג'ה, אדלה, עג'ה! One video shared with CNN by an Israeli source that we are showing you. Security cameras at the Neir Oz kibbutz in southern Israel show a knife-wielding gunman sawing at the necks of dead Israelis. Evidence of beheadings cementing an Israeli view that Hamas is now akin to jihadi groups like Al-Qaeda and the Islamic State, or ISIS. Les images que vous venez de voir sont celles du 7 octobre en Israël. Celles qui, il y a un peu plus de 3 mois, ont inondé les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines maintenant, les langues se délient et d'anciens otages commencent à témoigner de leur captivité passé aux mains du Hamas. Dans le même temps, nombre de personnes rapportent les cas d'agression et de torture sexuelle dont ils ont été les témoins directs ou oculaires. Les viols de masse, les passages à tabac, les mutilations des parties génitales, les tueries sanguinaires de soi-disant militants pour la liberté qui se réjouissent et s'amusent avec un sang fraîchement empêté. La réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un battement d'ailes de papillon. Tout cela sous le silence assourdissant des organisations féministes qui, comme pour la Nuit de Cologne, Claire, Armita et tant d'autres victimes, se refusent à condamner les violences faites aux femmes lorsqu'elles ne s'adaptent pas au narratif de la bien-pensance qui inonde aujourd'hui nos sociétés. Bienvenue à vous sur Red Roma. Parmi les témoignages des victimes du Hamas figure celui de Miachem, largement diffusé auprès du grand public français. Cette jeune femme de 21 ans fut parmi les premières personnes à fuir le festival, accompagnée de son meilleur ami Elia. Au volant de leur voiture, Mia et Elia tombent sur un barrage improvisé par les terroristes, qui visent les pneus du véhicule de leur tir, forçant ainsi les deux amis à s'arrêter. C'est une fois immobilisé que l'un des terroristes tire volontairement sur le bras de Mia, qui se disloque sans pour autant être totalement amputé. Elia, lui, est emmené plus loin et se fait exécuter. Mia, qui prétendait alors être morte, se voit forcée à s'éloigner du véhicule lorsqu'elle se rend compte que ce dernier prend feu. Alors qu'elle appelle à l'aide, un terroriste du Hamas l'aborde et tente de la toucher, avant de faire signe à une voiture qui s'en vient. Mia se voit forcée d'y monter, et c'est ainsi qu'elle est emmenée à Gaza. Lorsqu'on travaille sur le thème du témoignage, l'on est confronté au négationnisme en même temps qu'à l'horreur des récits racontés par les survivants. Et nombreux sont les auteurs rescapés qui font face à cette réalité. Ainsi, Riti Pan pointe du doigt les soutiens conscients ou inconscients du régime Khmer Rouge, qui n'ont eu de cesse de tenter d'expliquer, de contextualiser et de minimiser ce crime de masse. De même, Kang Cholan témoigne de ses débats avec des étudiants socialistes
qui s'entêtait à essayer de lui prouver les bons côtés du régime nord-coréen. À lui, qui avait été enfermé dans un camp à l'âge de 9 ans. Est-ce là le résultat inconscient de l'esprit humain qui ne supporte pas de voir la dure vérité en face ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que Mi-HM, comme les autres victimes du 7 octobre, ne font pas exception au négationnisme. Et il faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle colossal dans cette négation du réel. Cette négation devient alors massive, plus que jamais palpable, jusqu'à presque devenir elle-même une vérité, à force de répétition. Je vais alors tenter, armé de mes connaissances sur le témoignage, la propagande et la linguistique, de débunker certains des commentaires que j'ai pu lire sous les vidéos rapportant le témoignage de Mi-HM, puisqu'il me semble que c'est un jeu dangereux auquel jouent aujourd'hui les détracteurs d'Israël, qui malheureusement ne semblent pas faire de différence entre la juste cause palestinienne et celle d'une organisation terroriste qui viole, torture et démembre ses victimes. ובעצם אני מבינה שהוא הכנס אותה, הוא בעצם משנע אותה. כאילו, ממש אני זוכרת את התנועה הזאת. ואז מעבירים אותה לעוד מישהו. היא הייתה בחיים, הבחורה שהם אנסו? כן. היא הייתה בחיים. עמדה על הרגליים? היא עמדה על הרגליים, היא דיממה. היא דיממה מהגב. אני לא יודעת מה היא הייתה. שהוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. היא לא לבושה והוא חותך לה את השד הוא זורק את זה על הכביש הם משחקים עם זה והיא כאילו הולכת כזה ככה עם הראש אחורה Je vais commencer par l'utilisation qu'a eu Mi-HM du terme holocauste ou Shoah en hébreu et qui lui est largement reproché par les utilisateurs de nombreuses plateformes. D'aucuns précisant par ailleurs qu'il faut faire attention au sens des mots que l'on emploie, et que c'est là un manque de respect envers les survivants de l'Allemagne nazie. Alors je vais tout de suite rétablir le sens des mots. Le terme Shoah, en hébreu, a un double sens. Il nomme à la fois la terrible entreprise des Allemands envers les Juifs d'Europe, et s'utilise dans le langage courant pour parler d'un événement sanglant et malheureux, se traduisant par catastrophe, anéantissement ou encore désolation. C'est un terme biblique, issu de l'hébreu ancien, et dont la première occurrence se trouve dans les Névi'im, la seconde partie du Tanakh, où le terme apparaît en tout 4 fois. En langue romane, il se traduit par holocauste, qui est également un terme que l'on retrouve dans la Bible, mais dont la signification diffère déjà, puisque le terme signifie littéralement « sacrifice par le feu ». Et ce terme d'holocauste est par ailleurs décrié par de nombreux auteurs et historiens, dans la mesure où il a été choisi pour désigner le génocide des Juifs, qui est loin de l'idée d'un quelconque sacrifice, mais bien une entreprise d'extermination, une catastrophe, un anéantissement, un événement désolant, une Shoah, en somme. Dans son témoignage, Mia exprime le fait d'avoir vécu une Shoah, Avarti Shoah. Avarti Shoah ? Et non pas la Shoah, qui se dirait Avarti et a Shoah. Et a faisant office en hébreu de déterminant défini. La traduction en langue française, ainsi que celle qui a été faite en anglais, est donc inexacte et porte à la confusion. Les mots de Mi-HM auraient donc dû être traduits littéralement par « j'ai traversé une catastrophe ». Ou si l'on souhaite éviter le mot à mot, la traduction devrait être « j'ai vécu » ou « j'ai traversé l'horreur ». Et en anglais, « I went through horror » ou « I went through hell ». Et en admettant que cette nuance n'ait pas existé dans le discours de Mi-HM et que cette dernière avait réellement dit « ce que j'ai vécu, c'est comme la Shoah », je n'aurais pour ma part aucun mal à comprendre le rapport que cette dernière aurait pu faire entre la Shoah, l'attaque du 7 octobre et son enlèvement par le Hamas. Non pas que ces deux événements soient en tout point ressemblants, le génocide des Juifs d'Europe ayant une dimension quasi industrielle. Mais bien parce qu'il me paraît évident que le peuple juif porte encore en lui la mémoire très vive de l'entreprise génocidaire des nazis.
quoiqu'il est également impossible de réfuter l'antisémitisme du Hamas, dont la charte même appelle à la destruction totale du peuple juif, et qui est là une similitude avec l'idéologie nazie. J'ajouterais également que la cause palestinienne, aussi légitime puisse-t-elle être de nos jours, a elle-même été initiée par Mohamed Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, connu pour avoir eu de très bonnes relations avec Hitler. Et bien qu'évincé de l'OLP en 64, il demeurerait compréhensible que certains Israéliens gardent en eux la marque de cette alliance mortifère. Pour toutes les raisons que j'ai énoncées précédemment, il ne me semble pas que l'utilisation du terme Shoah soit inexacte, illégitime, ou qu'elle traduise un manque de respect. En revanche, il me semble malvenu que certains dénoncent l'emploi du mot Shoah à Miachem et aux autres victimes du 7 octobre, alors même qu'ils se plaisent à employer celui de nazi pour désigner l'Israël. Soyons un peu sérieux, justement, et employons donc les mots qui concordent avec la situation actuelle. L'Israël est loin d'être un État dirigé par des nazis qui commet un génocide ou un nettoyage ethnique à Gaza. L'Israël est en effet dirigé par un gouvernement dont certains membres font partie de l'extrême droite israélienne et qui mène une guerre dévastatrice à Gaza. Et oui, je m'oppose ici aux accusations lancées par l'Afrique du Sud, dont le procès à l'encontre d'Israël prend place au moment même où j'écris cette vidéo. J'avoue ne pas comprendre cette volonté d'utiliser les termes génocide ou nettoyage ethnique et qui ne correspondent pas à la réalité de la situation. Est-ce qu'une guerre n'est pas déjà suffisamment horrible ? Doit-on vraiment aller dans l'emphase pour sensibiliser les esprits ? La vérité n'est-elle déjà pas assez désolante pour certains ? L'un des arguments qui revient le plus souvent dans les commentaires du témoignage de Mia est celui du mensonge ou de la propagande israélienne. Le gouvernement israélien ou ses services secrets auraient soufflé les réponses à la jeune femme, de sorte à ce qu'elle décrédibilise la cause palestinienne ou, à défaut, qu'elle neutralise celle du Hamas. Il y a un cas de mensonge très célèbre, du moins pour ceux qui sont familiers de la littérature du témoignage. Celui de Shin Dong-hyuk, transfuge nord-coréen, qui a déclaré dans son premier témoignage être né dans le camp 14, à savoir le camp le plus hostile de toute la Corée du Nord. En 2014, son témoignage est remis en question. Plusieurs anciens détenus l'accusent d'avoir menti et exagéré son témoignage. Shin revient alors sur son récit et avoue ne pas être né dans le camp 14 et n'y avoir été interné que quelque temps. Il aurait en réalité été transféré au camp numéro 18 à l'âge de 6 ans. Un camp aux conditions de vie bien moins difficiles que celles du camp 14, dans lequel il semblerait ne jamais avoir été interné. Lorsque l'on ment, particulièrement à des fins financières ou propagandaires, l'on a, me semble-t-il, plutôt tendance à exagérer les faits. Ainsi, espérant probablement recevoir davantage de compassion, ou même peut-être pour faire le buzz, Shin Dong-hyuk exagère les faits de son récit. Loin d'amplifier l'horreur de son vécu entre les mains du Hamas,
Mia rapporte dans son témoignage des faits bien moins glaçants que ceux auxquels nous nous attendions. Elle ne dit pas avoir été violée ou maltraitée physiquement lors de sa détention. Au lieu de quoi, elle parle de son ressenti. Il m'a violée avec les yeux. Expression sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Elle nous dit avoir été mal nourrie, avoir été narguée. Elle nous parle de son manque de sommeil engendré par la peur, de n'avoir pas reçu d'anesthésie lors de l'opération de son bras, de n'avoir pas reçu d'autres soins que ceux qui ont été montrés dans l'extrait vidéo filmé par le Hamas alors qu'elle était encore otage. La question que l'on peut alors se poser est « Quitte à réciter une histoire montée de toutes pièces par le gouvernement ou les services secrets israéliens, pourquoi ne pas accentuer l'horreur des événements vécus lors de sa détention ?» Si le gouvernement israélien avait soufflé les réponses à Mia dans l'objectif de diaboliser le Hamas, ne lui aurait-il pas plutôt ordonné de dire qu'elle a été victime de viol collectif ? Récit qui ne rentrerait par ailleurs pas en contradiction avec les témoignages et les preuves vidéo et scientifiques des atrocités commises au Festival Nova. Cela ne servirait-il pas davantage le gouvernement israélien si elle avait exagéré son témoignage en disant qu'elle a été battue, torturée? Au lieu de quoi, Mia n'amplifie pas les faits qu'elle a vécus. Elle parle de sa peur d'être violée, de sa sensation d'être épiée, d'avoir été violée avec les yeux, ou d'être persuadée que c'est la présence de la femme de son geôlier qui l'en a prémunie. Tant de déclarations qu'il n'est pas improbable qu'elle ait ressenti dans ce contexte. Mia Shem parle ici uniquement d'un ressenti, pas d'une réalité matérielle et concrète. D'ailleurs, je pense que la traduction aurait une fois encore pu être plus exacte ici, et que cette expression image davantage un regard pervers et malaisant plutôt qu'un viol à proprement parler. Lorsque l'on entend ou que l'on utilise l'expression « il me déshabille du regard », aucun d'entre nous ne pense à un acte concret et matérialisé dans le réel. Mais nous comprenons tous l'idée derrière cette locution. Un regard pesant, intrusif, insistant, qui laisse imaginer les pensées intimes de celui qui regarde à la personne qui fait l'objet de ce regard. Pour ce qui est du gouvernement israélien ou de ses services secrets, il est évident que Mia Shem ne peut pas tout dire. Elle en atteste par ailleurs elle-même dans cette même interview, lorsque la journaliste lui pose des questions sur les autres otages qu'elle a rencontrés quelques jours avant la fin de sa détention. Elle dit elle-même ne pas pouvoir en parler dans le détail. Et c'est compréhensible, dans la mesure où ce sont des informations qui pourraient mettre en danger la vie de ces otages. Je doute que le témoignage de Mia Shem évolue avec le temps. Quoique cela ne serait pas étonnant que de nouveaux détails viennent à s'ajouter à ce dernier, une fois que l'intégralité des otages sera rendue à l'Israël. Un autre argument des détracteurs d'Israël, qui me désole et que j'ai malheureusement vu revenir souvent dans les commentaires des vidéos de Mia Shem ou d'autres anciens otages du Hamas, est celui dénonçant les présents témoignages des rescapés, en prenant pour appui les vidéos filmées par le Hamas lors de leur libération. Comme si des personnes retenues en otage, braquées par des caméras et entourées d'hommes du Hamas lourdement armés, auraient le courage de dénoncer leurs conditions de détention, alors même qu'ils sont encore en territoire ennemi. N'en déplaise à certains, ces vidéos tournées par le Hamas à l'occasion de la libération des premiers otages sont bien de la propagande. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Il me semble on ne peut plus évident que des personnes qui ont été enlevées et qui ont parfois subi de lourds sévices par leurs ravisseurs pensent avant tout à leur survie, avant de penser à témoigner de leurs conditions de vie face à des caméras ennemies. Même si nous avons pu être témoins d'au moins un cas où une otage prête à être libérée a eu le courage de défier son geôlier du regard. De nombreux otages racontent qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être libérés, ce qui est d'autant plus compréhensible lorsque l'on apprend qu'ils ont été nombreux à se voir miroiter une libération peu de temps après leur enlèvement, avant que leur ravisseur ne leur rappelle ironiquement le célèbre cas de Gilad Shalit, détenu 5 ans dans les tunnels du Hamas. De nombreux otages témoignent des sévices qu'ils ont subis ou dont ils ont été les témoins, et cela inclut les témoignages d'otages thaïlandais qui disent avoir été traités avec plus de considération que leurs homologues israéliens. L'un d'entre eux dit lui-même ne pas avoir cru en sa libération, avant de se voir remis entre les mains de l'armée israélienne. Il ne faut pas oublier
que les vidéos mettant en scène la libération des otages se fait dans l'enceinte même de Gaza, certaines sous les yeux d'une foule qui les filme et les hue. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que très peu d'entre nous, dans la même situation, n'auraient eu le courage de refuser de remercier les geôliers pour leur soi-disant accueil, s'ils attendaient cela de nous. Ou même si nous avions simplement l'impression que c'est ce qu'ils attendaient. People very good, very kind to me. כולו תמם. דחפו לי מצלמה לפנים, שנייה לפני שמוסרים אותי לצלב האדום. אמרו לי, תגידי שהתייחסו אליך יפה, שהאנשים בעזה נחמדים, טובים. עכשיו, מה אני אגיד? התחיל לקלל אותם. Sans compter que des médecins ont très vite rapporté que certains otages présentaient des traces de tranquillisants dans leur sang. Tranquillisants qui auraient été administrés quelques heures avant leur libération. De plus, il me semble évident que les victimes se sentent plus en sécurité sur leur propre territoire et qu'il leur est de fait moins difficile de témoigner sincèrement de leur détention qu'en étant sur le lieu même où ils étaient retenus, entourés des mêmes terroristes qui ont assassiné leur père quelques semaines plus tôt. Par ailleurs, le contraste entre les images de la libération de Mia filmées par le Hamas et celles de ses retrouvailles avec sa mère et son frère sur le sol israélien est flagrant. Et il est indéniable que la jeune femme se laisse aller à son véritable ressenti une fois réunie avec ses proches. À condition, bien sûr, que l'on ne supprime pas l'audio original de cette vidéo, comme l'a malencontreusement fait l'AFP, qui a été repris par d'autres médias. Voici maintenant la vidéo originale. J'ai également lu pas mal de commentaires qui s'interrogeaient sur l'apprentissage rapide de Mia de la langue arabe. Et c'est là une question assez intéressante à aborder. Comment peut-on apprendre une langue, ou du moins à comprendre une langue, en si peu de temps? L'hébreu et l'arabe moyen-oriental sont des langues sémites. Elles partagent entre elles des similitudes lexicales et grammaticales. Et nombre de mots dans ces deux langues sont semblables. Comme on peut voir ici un exemple de comparaison du verbe « écrire » et son champ lexical. À gauche, en langue arabe, à droite, en hébreu. Et il en va de même pour nombre d'autres mots. Le nom de certaines lettres de l'alphabet. Ou encore pour certains pronoms, comme vous pouvez l'observer sur les tableaux affichés à l'écran. Pour vous donner un ordre d'idée, un locuteur anglais qui entendrait un locuteur allemand pour la première fois aurait plus de peine à le comprendre, malgré les similarités linguistiques de ces deux langues germaniques qu'un locuteur israélien n'aurait de peine à comprendre un locuteur arabe et vice-versa. L'on pourrait presque comparer la compréhension mutuelle entre un locuteur israélien et un locuteur arabe à celle entre un locuteur français et un locuteur espagnol ou italien, quoique ces derniers auraient un peu moins de mal à se comprendre entre eux. Toujours en partant du fait que ces locuteurs n'aient jamais été exposés à l'autre langue avec lesquelles ils partagent des racines communes. Bien sûr, l'arabe classique et l'hébreu restent des langues distinctes, et malgré leurs similitudes, ces dernières présentent également de grandes différences. La première étant le système d'écriture, par exemple, ou encore la prononciation, la structure grammaticale, ou la conjugaison des verbes qui s'accordent en genre et en nombre dans les deux langues, mais dont ces accords demeurent plus spécifiques en langue arabe qu'en hébreu. L'argument de la similarité entre les deux langues que je viens d'avancer ne prend pas en compte la réalité du terrain.
En effet, de nombreux Israéliens sont confrontés quasi quotidiennement à la langue arabe, dans la mesure où cette dernière est la langue maternelle de la majorité des Arabes israéliens, qui constitue 20% de la population du pays. De même qu'une part considérable de la population juive d'Israël est originaire d'autres pays moyen-orientaux, et compte donc de nombreux locuteurs arabophones, les plus jeunes ayant à minima une compréhension superficielle, du moins orale, de l'arabe. L'arabe classique est par ailleurs l'une des langues vivantes les plus apprises dans le milieu scolaire, et dont l'apprentissage est obligatoire entre la 7e et la 9e année, l'équivalent pour nous du collège, dans de nombreuses écoles hébréophones du pays, et devient une option par la suite. Et ce n'est pas étonnant, au vu de la diversité ethnique du pays, qui pousse à une meilleure compréhension interculturelle et linguistique. Même s'il me semble évident que les populations arabophones d'Israël parlent et comprennent mieux l'hébreu que les Israéliens hébréophones ne parlent et ne comprennent l'arabe. Il paraît aussi intéressant ici de faire état des influences de l'arabe sur l'hébreu, tout du moins sur l'argot parlé par la jeunesse israélienne. Pour toutes ces raisons, il n'est pas impossible que Mia ait pu comprendre, du moins de manière superficielle, les conversations de ses geôliers. Sans compter que l'apprentissage d'une langue est d'autant plus rapide lorsque l'on se trouve dans un contexte d'urgence et de survie. Primo Levi, auteur de la très célèbre œuvre de témoignage « Si c'est un homme », atteste de ce besoin urgent de comprendre l'autre. Ainsi, lui qui était italophone a dû se résoudre à apprendre l'allemand bien plus rapidement qu'il ne l'aurait pu dans le monde extérieur au camp. L'on comprend alors que si un Italien réussit à baragouiner et comprendre l'allemand suffisamment rapidement pour survivre un peu plus d'un an à Auschwitz, alors même que ces deux langues ne partagent que des racines communes lointaines, remontant à l'indo-européen, il n'est pas étonnant qu'une hébréophone immergée dans un environnement exclusivement arabophone développe une compréhension basique de cette langue, et ce, même si elle ne la parle pas couramment. Un autre dire qui a été reproché à Mia Shem dans sa récente interview a été le fait qu'elle ait affirmé que toute personne à Gaza est un terroriste. Alors je n'irai clairement pas dans le sens de Mia cette fois-ci. Je ne pense pas que tous les Gazaouis soient des terroristes. De la même manière que tous les Nord-Coréens ne croient sans doute pas aveuglément en la propagande du régime de Kim Il-sung et de ses héritiers. Et il est même indéniable que certains fuient la bande de Gaza dans l'espoir d'une vie meilleure, et qui, à la manière des transfuges nord-coréens, trouvent refuge dans le pays dont ils sont censés être les ennemis. En revanche, de la même manière qu'il est impossible de dire que tous les Gazaouis ne sont pas des personnes innocentes, il est également impossible d'affirmer tout à fait le contraire, puisqu'il est malheureusement indéniable que les habitants de Gaza soient exposés depuis près de 17 ans maintenant à la propagande du Hamas. Comme le démontrent d'ailleurs certains documentaires sur le sujet. We asked Hitler why he left some of you alive. He did so in order to show us how wicked you are. We will come to you from under the ground and hammer fear into your hearts. And above the ground, we will tear your bodies apart with our rockets. La propagande anti-israélienne allant jusqu'à s'insinuer dans les émissions pour enfants, leur apprenant à détester le peuple juif. If you decide to watch past this point, just know that it's not going to be all fun and games. It's not going to be a jokey video. I'm going to have to be a little bit more serious with the information I present. Season 4 introduces us to Nasur the bear. He's pretty strange looking and he becomes our main character from this point on. Nasur hints that when the kids grow up, they'll become suicide bombers and martyrs, basically hinting that it's inevitable. After which, a kid calls in to sing a song, and it's honestly one of the creepiest songs I have ever heard in my life. With the song having lines like, when we get martyred, we will go to paradise, and lines like, I am willing to sacrifice my blood for my country, almost hinting as if the children have absolutely no choice in the matter. To make it even more disturbing, these children look so young, like they really shouldn't be in this situation at all, nor should they be introduced to this sort of propaganda. This is what leads us to, by far, what is the most disturbing episode of the entire series, Nasur and the Children of Reem Rahisha. This is the most disturbing episode yet. So who was Reem Rahisha? Reem Rahisha was a female suicide bomber who on January 14th, 2004 entered an area known as the Red's Crossing. Sorry for my mispronunciation. She entered the Red's Crossing before blowing herself up in a bid to be the first female suicide bomber. And what ties this back to Tomorrow's Pioneers is the fact that they brought her children, her two sons and her daughter, into the studio to film an episode in which they reenact her suicide bombing. Yeah, this is insane.
certains témoignages d'anciens habitants de Gaza rapportent qu'ils ont appris très jeunes à répugner l'Israël et ses habitants. Et ce, bien avant la montée au pouvoir du Hamas. מותר, מי שרוג יהודי נכנס לגן עדן מקבל 70 ביטולות. היהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם ומותר להרוג אותה ולקחת את האדמה בחזרה. ככה מגדלים את הילדים. ואם תשים לב, הפלסטינאים שמים את הילדים על הכתפיים עם נשק. וסרט חמאס וג'יהאד אל-אסלאם על המצח. Les récentes statistiques tendent également à démontrer que 75% des Palestiniens approuvent les massacres du 7 octobre. Quoiqu'à mes yeux, ces chiffres doivent également être pris avec un grain de sel, dans la mesure où les sondages ont été menés par l'autorité palestinienne elle-même. Fait qui aurait pu conduire certaines personnes à donner un avis favorable par peur de perdre leur vie. Nous ne pouvons pas non plus passer outre les témoignages de nombreux anciens otages, qui affirment avoir été accueillis par des civils gazaouis, qui les huaient, les injuriaient, et pour certains, les battaient, comme l'affirme par ailleurs un jeune ex-otage d'à peine 12 ans. De même, de nombreuses preuves montrent aujourd'hui que le Hamas promettait une récompense à toute personne qui ramènerait avec elle des otages israéliens. D'une voix juvénile, l'un des terroristes évoque aussi les récompenses promises par le Hamas. À Gaza, n'importe quel combattant qui ramenait un otage avait une récompense. De combien était la récompense ? Un appartement et 10 000 dollars. Pour chaque otage, vous avez un appartement ? Oui. Qui vous a dit ça ? C'est comme ça que ça marche dans la brigade Al-Qassam. Pareillement, de plus en plus de preuves tendent à montrer que parmi les terroristes ayant mené les attaques du 7 octobre, se trouvaient des journalistes indépendants, travaillant pour Reuters, CNN et le New York Times, venus couvrir le massacre. De la même manière, une agence de l'ONU se voit aujourd'hui accusée de complicité dans les attaques du 7 octobre. En effet, l'ONU annonce se séparer de 12 de ses salariés accusés d'avoir été impliqués dans la terrible attaque sur le sol israélien. Une enquête a été ouverte alors que plusieurs pays retirent leur financement de l'UNRWA, branche de l'ONU entièrement dédiée à l'aide des réfugiés palestiniens. Et lorsque l'on voit le degré d'implication sur place de la Croix-Rouge, qui semble davantage faire office de chauffeur Uber pour les ex-otages que d'organisation humanitaire à l'attention des Israéliens toujours détenus par le Hamas, l'on vient à se poser de nombreuses questions sur le bien fondé de ces organisations censées ne faire aucune différence entre les victimes. And at that time, you said that you will do everything in order to help them. And I'm sure you try and you try to do your best. But my son cannot wait anymore. And I'm sorry, I cannot wait anymore. This is his inhaler. Please make sure that he will get it. I don't know the address for visit in Gaza, but he needs to get it. And by the way, this is your job, right? This is the job of the Red Cross. Please do your job. Bien heureusement, il existe des personnes qui souhaitent mettre un terme à ce conflit et qui aspirent à une véritable paix avec Israël, ou tout du moins, à se battre au moyen des arts plutôt que de favoriser le combat par les armes. Okay. So wait, you said I asked you how do you gain your rights then? And you said, okay, I gain my rights by demonstrating by media or filmmaking. Mm-hmm. And if I reach a point where I make an occupier watch me, mm-hmm. the occupied, mm-hmm. watch my my films that I am actually doing specially for the audience, and my audience would be the occupiers, mm-hmm. and by that maybe I can let's say effect on their on themselves, and effects that make them think of their identity, mm-hmm. and their also their ideology and identity. Okay. Think and question themselves. Okay. Why I am here and what I am doing here in Palestine. Okay. So you're when you're making your films, you're thinking about the occupier, about Israelis who hopefully will watch this. Yeah, hopefully, of course. And see your views. See, like, step in your shoes. That's the idea. Yes.
Okay. That's my approach. Okay. Does that mean to live in peace with Israel also? We should live in peace with them. We should. Israel is a true now. Is a what? Sorry? Is a true place. It exists. Yeah. Okay. Should be peace with them. Okay. Without anything. Okay. If you had weapons, would you like to conquer Israel too? I guess it could be. No. Okay, why not? I just don't like controlling anyone for any reason. Okay. Au risque de trop m'éloigner des sujets que je maîtrise, je ne m'attarderai pas davantage sur les commentaires statuant le prétendu état psychologique de Mia Shem, qui l'accuse d'être une manipulatrice compulsive, ou même sur les attaques concernant son physique, qui, selon moi, n'ont aucun intérêt. Je comprends tout à fait que certaines personnes puissent remettre en cause les médias et les dires de nos élites par peur de se voir manipulées pour servir des fins auxquelles elles n'aspirent pas. Mais je tiens à rappeler qu'il y a une différence considérable entre remettre en question des informations qui peuvent paraître incertaines et tout bonnement annuler la parole des rescapés. Le doute est permis, mais l'oblitération de la parole de l'autre, parfois malgré des preuves irréfutables, pour le seul et unique but de servir une cause, ne devrait pas être toléré. Je pense également que la meilleure façon d'arriver un jour à une paix durable au Moyen-Orient serait d'accepter toutes les vérités, sans se soucier du camp duquel elles proviennent. Et je parle ici de vérités historiques, archéologiques et scientifiques. Je vous invite à aller voir la chaîne de Corey Gil Schuster, qui fait un travail remarquable et qui tente depuis maintenant près de 8 ans de rapprocher Israéliens et Palestiniens, tout en donnant la possibilité à chacun de s'exprimer sur des questions posées directement par ses auditeurs. Je vous invite également à visionner les documentaires que j'ai utilisés pour illustrer certains passages de cette vidéo. Et surtout, je vous invite à aller voir l'interview complète de Mia Shem. Vous retrouverez évidemment tous les liens en description. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Red Roma. הייתי אופטימית בזה שקמתי והלכתי עם המחבל. הייתי אופטימית כל התקופה שלי שם. אופטימיות ומחשבות חיוביות. עם החטופים והחטופות שעדיין שם שומעים אותך, יש משהו שאת רוצה להגיד להם? שתהיו חזקים, תחזיקו עוד קצת. בקרוב מאוד אתם יוצאים החוצה.